dernière musique que j'écoutais, je crois, c'était Tenny Askamaya. C'est un peu folklore, tu connais, c'est un peu... C'est des musiques qui te mettent dans un bon mood, ça. Ma musique du moment... Je vais dire Burna Boy, 23, son dernier album, elle est pas mal. La musique d'avant match, ouais, la musique que j'écoute tous les jours avant les matchs, c'est l'intro de mon pote Nahir, de son dernier album intégral. Ça donne pas mal, ça motive bien ça. Une équipe de Golgotha implacable, une visière teintée qui décide, qui donne envie de cavale. Ma musique, j'ai réveillé, ah ouais, ça. Travis Scott, Butterfly, tous les matins, au moins trois fois, good vibes. Non, je suis déjà arrivé, mais je l'avais plusieurs fois, tu connais. À Strasbourg, ouais, la musique de mon plus de temps à Strasbourg, c'était Corneille, parce qu'on vient de loin, je crois. C'est un vrai classique, ça. La musique de mon enfance, quand j'étais au quartier avec les potes, avec mes grands refs aussi. C'est la musique de groupe Tandem avec Mac Taylor, 93 Hardcore. C'est la fin des haricots, y'a plus de lobby, 93 Hardcore. Levez les bras si vous êtes forts, ma... On n'est pas trop dans ça, nous, mais vas-y, attends, je vais te dire quoi? Je vais te dire Taiki, comme toi, pas mal. Elle ne sait rien faire comme toi, non. J'aime bien la musique en ce moment, là, je vois beaucoup de vidéos avec, elle s'appelle Friday, c'est Riton, elle est pas mal, elle est pas mal. Non, je suis pas un danseur, moi, je suis pas trop un danseur. Ah, la musique qu'on n'assume pas, vas-y, je vais dire Aya Nakamura, hein, préféré. Elle est pas mal aussi, mais j'avoue, j'assume pas trop. Je suis ta chica pour passer si je vais pas bouger. Bébé, en vrai, c'est roqué.